Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Christine Tissot-Giraudel qui vient nous en dire plus sur le paf le chien. Voilà. C'est ça. C'est en ça. Gros. Oui, merci de Taou FM de me recevoir. C'est vrai que le SPAF, qui est au nom imprononçable, je vous l'accorde, qui est le syndicat de la production audiovisuelle cinématographique en Polynésie française, est en train d'évoluer. Alors, on va se faire un petit flashback, genre, rappelons-nous. Oui, Martine. Voilà, des fois qu'il y a des gens qui n'auraient pas écouté l'épisode numéro 1. C'est exactement ça. Voilà. Donc, on va faire un petit flashback. Si vous n'avez pas vu voilà. Résumé des épisodes précédents. C'est exactement ça. En décembre 2015, ont eu lieu à la présidence de la Polynésie française sous l'égide du ministère de la Relance économique les premiers états généraux de la production audiovisuelle locale, portés par deux associations de professionnels, où on a fait un état des lieux de la production, où est-ce qu'on en était aujourd'hui en termes de nombre de techniciens, de productions réalisées, de matériel acquis sur le territoire. Et puis, on a dressé nos enjeux, nos objectifs, pour ensuite faire une liste de pistes, de propositions d'actions à mettre en place pour pouvoir se développer. C'est-à-dire qu'on a identifié des points bloquants à notre développement. Par exemple Typiquement, alors juste pour revenir sur l'historique, parce que développement, ça ne veut pas dire grand-chose. De façon générale, c'est le cas pour ici, pour beaucoup de pays dans le monde. En Polynésie française, on a tous commencé il y a 10, 15, peut-être 20 ans. On a fait des pubs, des films institutionnels. Quand le FIFO est né, si on doit faire un petit historique, le gouvernement en place à l'époque a mis en place une aide à la production cinématographique et audiovisuelle et cinématographique qui s'appelait l'APAC à l'époque et qui a vraiment boosté la filière. C'est-à-dire, d'un seul coup, les producteurs locaux ont commencé à réaliser, produire des documentaires. Oui, parce que ça coûte cher. Hein. Il faut expliquer au public, va pas tourner des petites images comme ça, il faut payer les techniciens, l'image, etc. On va dire que c'est vrai, tu as raison, on va redéfinir un petit peu les choses. Il y a une différence entre un reportage où il y a deux personnes qui interviennent et une demi-heure en fonction de l'interview à réaliser, entre un documentaire qui, lui, au-delà de l'écriture, il est écrit comme un film, on va dire. Et voilà. Puis on est sur 5, 10, 15 jours de tournage, en moyenne. On est sur des budgets entre 5 et 10 millions, et faisant intervenir entre 5 et 10 techniciens. Et quand on passe à la fiction, je pense par exemple à la série Al d'Orsay sur laquelle on était récemment. Là, on passe plutôt à une autre échelle, puisqu'on est sur des budgets entre 100 et 200 millions de francs CP. Hein. En documentaire, on était à 5 ou 10. On passe, pour le documentaire, on était entre 5 et 10. On passe là à une trentaine, voire une quarantaine de techniciens. Pour la fiction télé, on peut aller beaucoup plus loin, et je pense que c'était le cas du film Gauguin tourné, où là on a un plus grand nombre encore de techniciens, avec des dépenses locales générées bien plus importantes pour un documentaire et qui plus est pour un reportage. Donc il y a des échelles un peu différentes. Et voilà, c'est entre les deux. Oui, bravo. Et donc pour le coup, de façon générale, donc les filières sont développées, publicité, film institutionnel, documentaire, et là on excelle. Enfin, il y a un des producteurs qu'on a la chance d'avoir au syndicat qui, lui, a un catalogue de plus de 100 documentaires réalisés depuis la création de ce fonds de soutien, la PAC. Donc c'est pas rien, parce que un producteur parisien, c'est compliqué d'en trouver un avec un catalogue d'autant de documentaires. Donc je trouve que la filière documentaire s'est vraiment bien développée, elle rencontre un vif succès. Les documentaires sont diffusés tant en local, sur nos deux chaînes, mais aussi en national, sur des chaînes nationales, et puis un petit peu plus loin encore, sur des chaînes internationales. Donc là, on a vraiment réussi. Et puis parallèlement, parce que évidemment, les genres de production ne s'opposent pas, elles cohabitent. Parallèlement à ça, il y a eu un engouement sur des séries de sketchs d'abord, puis des séries de mini-fiction, tant sur TNTV que sur Polynésie Première, pour aller un petit peu plus loin, sur des séries un petit peu plus conséquentes, des 13 minutes, voire des 26 minutes. Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvé bloqué, mais parce qu'on est sur des petits marchés, on n'a que deux chaînes. On a, c'est vrai, un fonds de soutien qui aujourd'hui s'appelle le SCAN. On a aujourd'hui, depuis 2013, accès, nous les producteurs, au Centre National du Cinéma, aux aides qu'ils proposent à travers un fonds dédié à la Polynésie française. Mais n'empêche que ça ne suffit pas pour produire de la fiction. Donc, et pour le coup, l'idée, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui nous manque? Donc, comment est-ce qu'on peut
comment est-ce qu'on peut améliorer notre sort, comment est-ce qu'on peut en étant réaliste, c'est-à-dire qu'on sait que nos chaînes font ce qu'elles peuvent sans doute pour oui, accompagner les projets. Oui, parce qu'ils ont des budgets limités aussi. Hein. Bien sûr, donc du coup, l'idée, c'est pas de se dire la solution, c'est d'avoir 100 000 dollars. Même si ça serait formidable, mais du coup, on serait pas très réaliste. Et donc, c'est de se dire peut-être qu'on peut s'ouvrir à d'autres marchés. Peut-être qu'il y a des mesures incitatives pour faire venir des équipes de tournage à l'extérieur qui sont une vraie chance pour nous, notamment en termes d'accompagnement de techniciens. Enfin, la quasi-totalité des techniciens en Polynésie française ont appris comme ça, en travaillant sur des projets nationaux ou internationaux qui sont venus tourner en Polynésie française. Alors, je sais qu'en ce moment, on se prépare, par exemple, un projet de loi sur l'exonération de TVA pour ces productions qui viennent tourner en Polynésie française. Oui, parce que c'est un marché qui s'ouvre bien aussi. Sûr, donc ça bien sûr. Si ça peut relancer l'économie d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. C'est pour l'instant, on peut dire peut-être un marché de niche. En regardant d'un peu plus près le chiffre d'affaires généré par l'ensemble du syndicat de la production audiovisuelle, on est sur un chiffre d'affaires annuel de 300 millions. Ça représente un peu moins de la moitié de ce que réalise la filière Monoï, ce qui n'est pas rien déjà. Donc on est une filière déjà avancée, mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se pencher sur des propositions d'action à mettre en place pour générer plus de productions qui viennent de l'extérieur, qu'on puisse produire nous en local, si on arrive à réunir ces deux éléments, à faire travailler l'ensemble des techniciens qui aujourd'hui habitent sur le territoire. Dans l'état des lieux qu'on a réalisé en décembre 2015, pour donner un ordre d'idée de l'évolution de la filière, il y a 15 ans, il existait en Polynésie française 5 techniciens hors chaîne. Ah oui. Aujourd'hui, il y en a 120. Oui, qui font tous un peu... c'est un petit marché, il faut trouver du travail c'est pour ça. Tout le monde. Et donc l'idée, alors, tous ne vivent pas de ce métier, et l'un des objectifs de ces actions à mettre en place, elle est vraiment que chacun arrive à vivre de son métier, l'audiovisuel. Au-delà des gens qui existent déjà sur le marché et qui ont des patentes ou des sociétés, et là je parle de l'ensemble des métiers évidemment, hein, ça va de scénariste en passant par ingénieur du son, cadreur, monteur, producteur, chargé de production, etc. Et puis les acteurs évidemment quand il s'agit de fiction, mais je pense aussi aux nouveaux arrivants, parce que les métiers de l'image, ce sont des métiers un peu sexy, un peu tentant. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent. Oui, qui ont très envie, bon d'abord parce que ces jeunes sont nés avec l'image. Voilà, et ils ont l'habitude et ils bien savent sûr. Qu'on peut traficoter aussi. C'est vrai, et certains d'entre eux veulent passer. Alors c'était rappelle-toi, l'un des objectifs du Vinifilm Festival Antenne TV dont on parlait tout à l'heure, de déceler des jeunes talents, parce que c'est vrai que tous les jeunes font des films avec leur portable, avec leur tablette, hein. Et pour le coup, dans le long, il y a des gens qui ont un vrai talent et qui ont envie d'en faire leur métier, et de se pencher un peu vers l'avenir de la production audiovisuelle, je pense aux échéances dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes qui ont très envie de faire ces métiers? Est-ce qu'on les laisse aller vers d'autres métiers où ils seront moins bons, moins passionnés? Ou s'exporter, carrément, et perdre des talents. Et ça serait dommage. Et donc, pour le coup, je pense qu'on a là une vraie chance, une vraie opportunité de se pencher un petit peu sur notre avenir, de regarder ce qu'on peut faire, toujours dans un cadre réaliste. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est, c'est vrai, sur des marchés restreints, mais comme d'autres, hein, les régions en France, ce sont des marchés restreints aussi, n'ont pas toujours accès à Paris, les autres territoires ou départements d'outre-mer sont dans le même cas, mais pour le coup, comment est-ce qu'on pourrait répondre aujourd'hui à des besoins de diffuseurs et donc de financement supplémentaire en national ou à l'international. Donc voilà les choses sur lesquelles on est en train de se pencher. Donc là, sur la base de l'un des points qui était ressorti aussi pendant les états généraux de la production audiovisuelle locale en 2015, c'était que, oui, il y avait 120 techniciens, j'en parlais tout à l'heure, et des boîtes de prod, de nombreuses, mais elles ne sont pas toutes fédérées au sein d'associations. Alors, et pourquoi pas, c'est leur choix. On n'est pas tous, enfin, les salariés ne sont pas tous au sein d'un syndicat de salariés, c'est un vrai choix personnel. Mais pour le coup, de démontrer qu'on est une filière à part entière, qu'on est nombreux, et de réfléchir tous ensemble à notre avenir, je trouve ça plus intéressant que d'y réfléchir soi-même dans son petit coin, en ne faisant pas aboutir les choses, parce que tout seul, on est forcément moins fort. Ensemble, on est plus fort. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est une porte ouverte qu'on enfonce en disant oui, ça, mais oui, c'est mais n'empêche qu'on n'y pense pas. Et c'est vrai qu'on le voit bien, et puis la discussion est plus riche. Moi, je suis productrice, j'ai pas forcément ou les mêmes attentes, ou les mêmes problèmes, ou les mêmes succès qu'un ingénieur du son, qu'un monteur. Mais du coup,
Ou comme metteur en scène. Ou, voilà, il faut en parler. Voilà, et ça, c'est important. Alors, producteur, c'est un petit peu différent, parce que lui, il a une vision un peu, généralement, une vision plutôt globale des choses. Mais c'est vrai qu'un monteur n'a pas forcément le point de vue d'un caméraman ou d'un acteur, etc. Et ça, c'est important de partager. Donc, fort de ce constat qu'on a fait pendant les États généraux l'année dernière, on a ouvert le syndicat des producteurs audiovisuels en Polynésie française. En le faisant devenir un syndicat de la production audiovisuelle, oui, et donc en l'ouvrant à l'ensemble des métiers. L'ensemble des métiers, donc on a créé au sein du syndicat... Tous les métiers de l'audiovisuel. Tous les métiers de l'audiovisuel, on a créé des collèges, en nommant des vice-présidents pour des sociétés de production, parce qu'elles sont importantes, c'est elles qui portent les projets, c'est elles qui vont chercher les projets qui viennent tourner ici ou qui développent les projets qui sont tournés en Polynésie. Mais aussi un collège pour les acteurs, les animateurs, un autre pour les techniciens, un pour les jeunes talents, parce que c'est important aussi d'entendre leur voix, leurs attentes et ce qu'ils comptent faire dans la vie plus tard. Et puis un autre que je viens d'oublier, mais qui va me revenir très vite. Ne compte pas sur auteurs, moi. Auteurs, réalisateurs, ils vont me maudire. Ah oui. Ils vont me maudire. Et qui sont importants parce que c'est la base de l'histoire. Bah, c'est un peu, oui, oui. C'est la base de l'histoire. Donc là aujourd'hui, le SPAF représente une cinquantaine de membres, dont 6 sociétés de production, parmi les plus importantes. Elles génèrent, je le disais tout à l'heure, un peu plus de 300 millions de chiffres d'affaires par an, hein, ce qui n'est pas rien. Elle diffuse les programmes qu'elle produit sont diffusés évidemment sur les 2 chaînes locales, mais sont diffusés dans une petite cinquantaine de chaînes, tant en national et sur des chaînes majeures, France 2, France 3, France 5, France O, ça tombe sous le sens, mais aussi sur des chaînes à l'international. Donc l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir le plus largement possible et que chacun puisse faire entendre sa voix. Donc c'est pour ça que je dis. Il y a une réunion, il y a quelque chose qui se passe. Oui, absolument. Alors, parce qu'on est dans cette lancée et que déjà, on est passé de... rappelons que le SPAF, qui était un syndicat de sociétés de production, ne réunissait que 4 membres, puisqu'on avait 4 sociétés de production. Aujourd'hui, on est fort de 50 membres, de 6 sociétés de production, et on se dit d'abord que c'est bien de se réunir et de se parler tous ensemble, de se voir, même si on s'est déjà vu évidemment, mais pas du coup, il n'y a pas eu beaucoup d'interactions depuis la création, le fait qu'on ait changé de nom et qu'on ait ouvert le syndicat à l'ensemble des métiers de l'audiovisuel. Mais au-delà de ça, j'invite tous les gens qui sont intéressés. Il y a des tas de sociétés de production. Quand on va sur le site de l'ISPF, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites sociétés de production, mais à mon sens, il n'y a pas de petites sociétés de production. Il y a des gens qui ont envie, qui pratiquent des métiers de l'audiovisuel, donc je les invite évidemment à nous rejoindre le jeudi 1er décembre au Centre Vaïma. C'est l'ancienne local de la PICA, c'est l'ancienne banque de Tahiti, pour ne pas la citer. Oui. C'est à 17h30, hein, et du coup on pourra évoquer le syndicat évidemment, les problématiques de chacun. Est-ce qu'il y a besoin de faire partie déjà de ce syndicat pour venir? Pas forcément, on peut venir en curieux, rencontrer les gens. Moi je me rappelle comme ça d'un jeune qui est venu nous rejoindre et qui me disait mais je suis surpris de voir autant de jeunes comme moi qui font ces métiers. C'est-à-dire qu'il était tout seul dans son coin, il faisait des films, il disait mais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais partir en Nouvelle-Zélande, en France? Que du coup les choses sont possibles ici, qu'on peut déjà pratiquer des métiers d'audiovisuel, qu'on va de mieux en mieux les pratiquer parce qu'on a vraiment mis en place beaucoup d'actions là dans à la fin de cette année avec les états généraux de la production ultramarine qui se dérouleront du 5 au 11 décembre, voilà, à Tahiti. Donc rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Il se passera où ces états généraux? Alors ces états généraux sont réservé là pour le coup qu'aux professionnels et notamment locaux, bien sûr. Donc ça, le SPAF sera présent puisque c'est lui qui porte le projet et est coordinateur de ces états généraux de la production des Outre-mer. Mais surtout, et c'est important, réunira l'ensemble des associations parmi les plus représentatives de tous les Outre-mer. Donc on va recevoir la Guyane, on va recevoir la Réunion, on va recevoir la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Et là, on va se pencher sur notre avenir. C'est-à-dire qu'on va faire exactement la même chose que nous, on a fait l'année dernière en décembre, mais comme les territoires l'ont fait chacun de leur côté, et voilà, là on va vous allez on va mettre en commun vos réflexions. Voilà, exactement, on rejoint en fait et ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est faire quelque chose de concret. Oui, de concret, parce que l'idée c'est vraiment de se dire on a plein de points communs, voilà où on est bloqué, comment est-ce qu'on peut avancer. On a déjà beaucoup avancé, ça fait 1 an et demi en fait qu'on travaille sur ce projet. Bien, et eh bien écoute, alors déjà rendez-vous jeudi 1er décembre. Absolument. À 17h30 au Centre Vaïma. Merci Christine. À bientôt, merci beaucoup Taïwé FM de nous recevoir.